J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour le rendez-vous Glossybox du mois de novembre. J'ai reçu mon coffret ce matin. Normalement, je ne filme jamais des vidéos le vendredi, je prépare mon week-end, donc j'ai toujours un milliard de choses à faire. Et je suis trop impatiente de partager le contenu avec vous. Sur Instagram, j'ai vu une photo, j'ai pas mis les produits pour ne pas spoiler celles qui aiment avoir la surprise. Donc le coffret est vert, il y a du pied de poule, c'est joli, c'est fashion. Et là, il y a marqué Jonac. Celles qui connaissent Jonac, vous savez, alors pour celles qui ne savent pas, c'est une marque de chaussures. Ce sont des souliers de bon rapport qualité-prix. Les chaussures vous durent longtemps, j'en ai moi pour aller bosser. Et c'est vrai que c'est confortable, on a pas mal aux pieds, on a des talons et on a des chaussures féminines. On a reçu le Glossy Mag, belle la tête aux pieds, do it yourself. Nous avons reçu des lacets, donc des lacets sont des faits. Donc des lacets, si vous êtes comme moi et que vous portez des chaussures à talons, vous n'en aurez aucune utilité. Mais si on ouvre le magazine, et d'ailleurs ils ont bien fait, ils ont mis sur la page du milieu, donc tu es obligé de tomber dessus, ils te montrent comment les recycler. Donc si tu portes des chaussures à talons, ça tu ne pourras jamais le faire, mais tu peux le recycler en collier, en ceinture. Donc si tu portes des robes, pulls, voilà, tu peux. Je commence avec le produit que j'ai préféré, c'est le rouge à lèvres, c'est MDM Flow, je ne connais pas, le Vamp. Donc j'ai regardé vite fait sur Google, je ne suis pas tombée dessus, donc c'est inconnu bataillon. Et là, vous avez un joli prune. Je l'ai testé ce matin et depuis, je n'ai eu pas besoin de faire de retouches. Il est parfait, il n'a pas filé. Donc là, ça fait 4 heures que je le porte. Il est crémeux, il fait une jolie bouche, la couleur est dans l'air de temps. Je suis très contente de l'avoir. Bien. Nous avons eu un autre produit maquillage de Bruyère, ce jumbo couleur bronze. Il est pas mal du tout. Donc sur le moment j'étais ravie, je l'ai testé en eyeliner et en fard à paupières. Une demi-heure plus tard, je me suis rendu compte qu'il filait dans les creux des paupières, dans les petites fissures qu'on a là, voilà. C'est une espèce de petit morceau. Donc si vous l'utilisez en fard, pensez bien à mettre de la poudre minérale, voilà, poudrez vos yeux ou mettez une base, sinon ça va faire moche. Ça va faire vraiment moche. Tu vas fermer les yeux, tu vas avoir un tatouage en dessous de ton fard. Ça fait un peu les vieux fards de l'époque. Enfin, la qualité n'est pas là, c'est dommage. Belle de la tête aux pieds. Donc la tête, il y a du shampoing aussi. Donc là, c'est le masque 3 minutes miracle. On l'a déjà eu, on a déjà eu des produits de cette marque-là. Moi, j'aime bien la marque aussi. C'est vrai que j'aurais préféré avoir une surprise, mais c'est une bonne marque qui fait du bien à mes cheveux, un bon format qui est pas mal pour les vacances. Donc, celles qui ne connaissent pas, elles auront une belle surprise. Et ils sont toujours aussi bons, ça sent le bubblegum. Un autre produit, c'est la marque Unani. Donc, c'est un lait qui lave le visage. Donc, moi, j'ai pas mal de gel, je n'ai pas de lait. Il lave le matin, le soir, il démaquille, il resserre les pores. J'ai hâte de le tester et de voir son efficacité sur le maquillage. À voir. Je continue avec une marque qu'on connaît toutes, c'est Aven, un masque hydratant apaisant. Oui, on connaît, mais c'est pas mal et surtout la saison qui se rafraîchit, ça fera du bien. Donc je suis contente. C'est une box qui m'a plu dans l'ensemble, j'adore avoir du maquillage. D'ailleurs, je rêverais que Glossy mette systématiquement un article make-up dans ses box, ça serait chouette. Donc il y en a pour les yeux, pour les cheveux, elle est plutôt bien, elle est complète. J'ai hâte de tester ce produit, voir s'il est efficace. On a vu des produits paniers d'essence il y a quelques mois que j'avais pas du tout aimé et puis même il sortait mal du pot. Donc j'espère que je serai ravie de celui-là et que ça sera une belle surprise. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à commenter pour me dire si vous avez reçu votre box, si les produits vous ont plu. Si vous avez envie de vous abonner, je vais vous mettre un lien pour vous parrainer. Je me suis abonnée à l'année, ça me fait la box à 13€. En général, je suis satisfaite des produits et elle est amortie, en sachant en plus que Glossy, sur les 13€, bah, paye des frais de port. Donc au final, je suis assez gagnante et puis j'aime bien avoir un rendez-vous beauté tous les mois que je peux partager avec ma communauté. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez reçu votre box, si vous avez envie de papoter, on se retrouve en dessous. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et lundi sur YouTube pour ma routine d'automne avec un jeu concours. Je vous fais des bisous.